Hey fam, welcome back to the channel. Bon retour sur la chaîne. Today we are making some steaks. Yes. I decided to treat myself or treat the family. So we decided to go for some T-bones. Donc on va faire des steaks. On a fait une petite traite. On s'est permis des steaks pour le dîner. Et je vais vous montrer comment je le fais. Très simple. Je ne mets pas beaucoup d'ingrédients, comme vous pouvez le voir. Trois ingrédients à part le sel et le poivre. Donc voici mes ingrédients. Je mets le Montreal Steak Seasoning, je mets les herbes de Provence et un peu de thyme à la fin. Donc ce sont ces trois ingrédients. As I was saying, I don't put a lot of stuff in my steaks. I put salt and pepper, of course. I put some Montreal Steak Seasoning, a bit of herbe de Provence. And at the end, when my steaks are ready, I put a little bit of thyme on top, okay? And I'm just gonna marinate that and leave it in the fridge while I'm cooking the other stuff. Donc, je vais mariner, je vais mettre dans le frigidaire pendant que je prépare les autres, les compléments en fait. And that's it, ready to go in the fridge. Donc c'est prêt à aller dans le réfrigérateur. Maintenant nous allons entamer les pommes. Donc je vais faire bouillir mes pommes. Je préfère ces petites pommes avec la peau, little potatoes. So I'm using the little potatoes. I like them with the skin because I like the texture at the end. Donc j'aime la texture quand elles sont prêtes. Ok, donc les steaks vont se manger avec des haricots verts, des pommes et puis des champignons. So we're eating our steaks with some green beans, mushrooms and potatoes. So I'm washing my potatoes. And I usually boil my potatoes with some chicken broth. Donc je fais bouillir mes patates, mes pommes de terre avec du bouillon de poulet. C'est trop bon en fait, ça permet de bien assaisonner les pommes de terre. While the potatoes are cooking, we're just gonna go on and prep our veggies, so our mushrooms and our green beans. So I'm just gonna sauté my mushrooms and also sauté my green beans. Donc pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je vais juste apprêter les légumes. Donc là j'hésitais en fait, I was just hesitating, should I do all the mushrooms or just a little bit? Et j'ai finalement décidé de faire tous les champignons. Ok, so you can just go follow along. I will cook my green beans with some lemon zest and garlic, so about 3 to 4 cloves of garlic. Bon, je fais mes haricots verts avec un peu avec le zeste de citron et un peu d'ail frais. Donc c'est ça que je fais. Entre temps, je mets de l'eau pour faire bouillir mes haricots. Donc je les fais en fait dans de l'eau bien bouillante. Okay, so I cook them for about 3 minutes in hot water. And after that, I'll put them in icy water. Donc après 3 minutes, je vais les mettre dans de l'eau avec de la glace pour arrêter la préparation. So I will do that just to stop the cooking process. And I will leave that in for about 2 minutes. Donc je vais laisser dans de l'eau avec de la glace pour environ 2 minutes. Thank you.
Okay, I'm just gonna add a little bit of butter in my pan, donc j'ajoute un peu de beurre dans ma poêle ou ma marmite. And before forget, I forgot actually to mention that I put some salt in my water when I was before boiling the beans. Donc j'avais mis un peu de sel dans de l'eau avant de faire bouillir les haricots. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Donc I just added a little bit of olive oil in my pan, and that's the olive oil, my seasoned olive oil. And now I'm adding my garlic, and I'll add the lemon zest, and that's it. So I don't need to put any other spice in these green beans. Donc j'ai pas besoin d'ajouter autre chose dans ces haricots verts et c'est super délicieux. Very, very yummy. I will encourage you to try this if you haven't tried this before. Remember that the beans are already cooked. Donc les haricots sont déjà cuits. You don't need to leave them, you know, to cook anymore. It's just a matter of coating them with that oil butter mixed, and you know, just that's it. You see, it didn't even take a minute. In all honesty, it's very fast. And with the same pan, I'm just gonna do my mushroom. Donc dans la même poêle, je vais juste faire revenir mes champignons, et puis là, je vais juste ajouter un peu d'épices. Je pense bien, j'ai mis juste le Montreal steak, juste pour garder un peu le même goût que les steaks en fait. Donc, c'est ça. On continue. I also added a little bit of Maggi just for the taste. Donc j'ai ajouté un peu de Maggi juste pour le goût. And I'll just let it cook. I'll add a little bit of water at some point just, you know, to have a bit of juice and make it cook faster. And while the mushrooms are cooking and the potatoes are still cooking, I'm just going and, you know, do my dishes. Like, you know, like I always say, wash as you go. Donc on nettoie pendant qu'on est en train de préparer. Okay, my potatoes are now ready, so I'm just gonna add a bit of garlic powder and garlic seasoning, like garlic plus. Donc, je vais juste ajouter un peu de d'ail et puis l'ail assaisonné. I also add some milk and butter. Donc, je vais ajouter du lait et du beurre aussi et je vais juste les matcher jusqu'à la consistance que je veux. Donc, pour le lait, je pense que c'est à peu près une demi-tasse de lait que j'ai ajouté, soit added about a half a cup of milk. Okay. And by the way, I turned off the heat already, donc j'ai déjà éteint le feu.
Ok, notre purée de pommes est prête. So, our mashed potatoes are ready. So, now we're just gonna serve them. And our mushrooms are also ready. Donc, nos champignons sont aussi prêts. On va servir tout. Et maintenant, c'est le temps de faire nos steaks. Donc, nous passons à la cuisson des steaks. So, it's time now to cook our steaks. Let's do this. I'm just putting some butter on my pan, donc je fais juste que mettre du beurre sur dans ma poêle et puis je vais ajouter mon huile d'olive aux herbes. Donc I'm just adding my olive oil that I made with herbs, and that is just for the butter not to burn. And you know, we're just cooking the steaks. It will be 5 minutes on each side. Donc c'est 5 minutes par côté. It depends on the type of, you know, what you want. If you want them to be well cooked, and me, I like them well cooked, so we do 5 minutes. Almost time to eat, donc c'est presque le moment de manger. And just let your steak rest for 10 minutes. Donc vous laissez votre steak se reposer pendant 10 minutes une fois qu'ils sont ce que vous avez enlevé de la poêle. And like I said, I'm just adding a bit of thyme on top of it. And that's it, the steaks, it was so yummy. Donc c'était tellement bon. Donc une fois que mes steaks se sont reposés pendant 10 minutes, je vais donc les découper. So I'm just gonna cut them into pieces. It's easier for everybody, you know, to serve basically. Donc c'est facile de couper avant de servir. And by the way, I kept those bones, donc j'ai gardé ces os. I kept them to do my beef broth. Donc j'ai gardé les os pour faire mon bouillon de bœuf. I can use it whenever I want to make rice or even cook potatoes. I can use the broth, the beef broth as well. Okay, we're done cooking, and off camera I made a bit of gravy. It's just a mix of the one that we usually sell at the store. You just mix it with milk and water. I'll try to put a picture of the gravy that I use. Donc j'ai aussi fait une petite sauce pour steak. Donc je vais essayer de vous montrer une photo, et généralement c'est juste, on rajoute juste de l'eau et du lait. Donc merci d'avoir regardé. Thank you for watching this video. I hope you got inspired. And don't forget to subscribe, like and share. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager. Merci, à la prochaine. See you soon.